Et salut à tous, les gens. On est Salut. de retour sur Far Cry 5 avec Avec Nero Mantera. Game 250. Ouais, Nero Game. Nero Game 250, Nero Game 25, voilà, c'est la même Le chef y personne. a marqué. Ah Oh, ouais, t'as la attention. couronne. Et ouais, parce que c'est moi le chef du groupe, hein. C'est moi qui ai la partie. T'as fait. Et donc là, on commence ici, parce que déjà, l'image, je la trouvais belle avec le petit loup. Et surtout, bah, qu'après, on a la cinématique dont vous avez vu le début où je m'étais pris une flèche dans le genou. Littéralement. Soit dans le genou, soit juste en dessous, enfin, pas loin. Et j'avais coupé ici comme un sac. Et pour la hype. Ah, parce que je suis un sac. Bah oui. Quand il y a possibilité de couper un petit peu n'importe où, hein, voilà. Donc, allez, hop, c'est parti. Je sais pas si on va avoir la cinématique tout de suite, directement là après ou pas. Mais la dernière fois qu'on a fait ça, ça s'est passé de la même façon. Ouais. Le suspense. Avec le père. Mais il n'y a pas la mer. Ah non. Mais la mère, elle est sûrement morte pour ses péchés. En attendant, le temps de chargement prend un petit peu de temps quand même, hein. Et il prend son temps, hein. Voilà. Il prend sa vie. Et voilà. Donc ça a pas lancé directement la cinématique. Je peux peut-être augmenter un peu le son. Ah! Je me suis fait avoir. Je crois que toi aussi, du coup. Oui, c'est la deuxième fois que je me fais avoir. Mais sauf que là, je vais me venger. Je sais pas si on va continuer à l'arc. Ah. Connais
What? What the fuck? On doit se tirer. Oh oui. Une arme. On doit faire vite. Ne t'arrête pas. Oh oui. Qu'est-ce que j'ai vu? De nouvelles armes. Fusil de pompe, prends-le. Abattons les faibles. Le nouveau flingue. Parfait. Parfait. Vas-y, vas-y, la voie est dégagée. Oui, sacrifie les faibles. En avant. À la seconde près, sûrement. C'est terrible lui. Il a pas l'air si mauvais, il a pas l'air si mal que ça en vrai. Hein. Je crois qu'il a toujours été comme ça ce mec. Hein. Un boucher. Ouais. Écoutez cette putain de musique. Oh merde, c'est celui. Quand est-ce qu'ils l'ont eu? Pourquoi on s'emmerde à faire tout ça? Vérifie quand même. Oh, pourquoi je me tape toujours les cadavres? Putain de merde! Quoi? Merde! Il est vivant. Broker, le camion. Oui, chef. Oh, c'est pas vrai. Je suis désolé. Allez, viens m'aider, petit. Ellie, est-ce que c'est... Ouais. Mais qu'est-ce qu'il peut bien foutre ici, bordel? Il a bien plu à Jacob comme à nous. Tout ira bien maintenant, la star. On s'occupe de vous. On l'emmène avec... Merci. Bien sûr. Tammy risque de pas apprécier. T'en fais pas pour Tammy. Elle s'en remettra. Oula, oula, oula. J'aimerais bien savoir où est-ce qu'on m'emmène. Pendant la cinématique là-bas du début, j'ai eu des petits problèmes de son. J'ai pas tout entendu. Il disait juste qu'il fallait tuer les faibles. Je sais. Garder les forts. Voilà. J'ai suivi grâce aux sous-titres. Merci les sous-titres. Ouais. Allez, buvez ça. Est-ce que tu te fous de ma gueule? Du calme. Avec Witty, on s'est mis d'accord. Vous étiez d'accord? Wow. Hey, moi, tout ce que j'ai fait, c'est donner mon avis. C'est complètement stupide. Et c'est dangereux, bordel. Qu'est-ce qui vous a pris? Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Que tu le laisses là-bas. Tammy. On n'a aucune idée du temps qu'il a passé là-bas. J'ai vu comment ça rend les gens. Pas toi. Tu sais pas, il est peut-être dangereux. C'est ce que tout le monde racontait sur toi. Mais heureusement, j'ai pas écouté. C'est pas la peine de discuter, il est là. Et on a besoin de lui. C'est compris. Bien vu, elle l'a très bien pris. Dehors. J'ai rien fait du tout. Thank you.
Je plaisantais pas. On a besoin de vous. Reposez-vous un peu. Ouais, mais non. J'ai assez dormi, moi. Ça fait déjà 10 minutes qu'on se repose. Bah ouais. J'en ai ras le cul. Ah, la première fois que je vois mon jean, mon pantalon. Wow. Bah, et mon jean est trop stylé avec mes nouvelles chaussures. Un monde faible. Succès débloqué. Seulement toi. Alors, faut qu'on te parle à toi ou pas? Au bout du couloir, Ellie vous attend là-bas. Ah, vous voilà. Je vous évite pas, mais Ellie voudrait vous parler. On va fouiller d'abord. Ouais, comme d'hab. On va fouiller. Pas par là, c'est la suite. Je crois pas. Hein, je crois que c'est la suite de ce côté-là. Ah, ça fait le tour. Oui, ça fait le tour. Il y a rien du tout à piller. Il y a vraiment rien du tout. Il y a une boutique ici. C'est toi qui donne du fil à retordre. Les prisonniers qui résistent finissent en cible vivante pour l'entraînement au tir. C'est une exécution collective. Et dire que ça se passe en Amérique, ça me rend malade. Là, on est à la boutique. Ah oui, ça s'est vu. Hop, je récupère des munitions. Ça vend. Ouais. Je voulais améliorer une de mes armes. L'arc. Mais le personnaliser. Pas très important ça. Ça augmente la portée. Mais ça augmente. On va prendre ça. Le fusil de Jacob. Rouge et noir. Le lance-pelle. Éliminer Jacob Sid pour débloquer cette arme. Et pas mal le sniper. 8, 9, 8, 3, 3. Et lui. Sûrement qu'il va nous attaquer avec cette arme là, peut-être. Bah, c'est le même que celui-là qu'on a en stock, sauf qu'il est rouge. Après, on aura un troisième emplacement. Arc. Mitrailleuse, flingue de précision. Je l'ai récupéré quand même. Je vais regarder comment ça rend. Rend bien. Sinon, t'es prêt? On va parler à. C'est toi à Ellie. T'as tout visité? Ouais, c'est à lui qu'il faut qu'on cause. Vous voilà. Oh, il y a une batte de baseball. Si j'étais pas là, y aurait... Ça fait longtemps qu'on vous cherche. Dutch dit le plus grand bien de vous. Bon, je vais vous parler franchement.
Je sais ce que vous avez fait au sud. Vous avez donné un bon avertissement au père et ça, c'est bon pour nous. On se fait laminer ici, faut être lucide. Je sais pas si on pourra tenir plus d'une semaine à ce rythme. On se retrouve vraiment au pied du mur. Je fais en sorte qu'on se reprenne. Alors j'ai envoyé un groupe de Whitetail saboter le centre touristique. La secte l'utilise comme dépôt pour sa putain de grâce. Mais les pauvres gars ont foncé droit dans un piège. Ils se sont fait prendre en otage. Et le temps joue contre nous. Si j'envoie un autre groupe là-bas, on risque de tout perdre. Mais vous, la secte s'attend pas à vous voir débouler. Vous êtes la seule personne ici qui soit capable de gérer cette situation. Ah bah ça c'est sûr. Confiance en vous sur ce coup. Je compte sur vous. Vu comment on a géré la situation tout à l'heure, hein, si la secte au sud. Vous êtes là. Vous êtes capable de tuer nos gars. Il y a un arc sur la table si ça vous tente. Essayez de ramener nos camarades. Bonne chance. On est déjà prêt. Oh, t'as pris la batte de baseball. C'est bon de vous savoir à nos côtés, officier. Pile la personne que je cherchais. Tu veux la paye? Lui, non. La batte de baseball, je vais juste la prendre. Je vais juste la payer. Whitetail se prépare pour ce combat depuis des années. Attends, il avait une quête lui à prendre. Des caches de matos partout. Flingues, munitions, la totale. Faut bien être paré à tout, pas vrai? Ouais. Et au rythme où vont les choses, on a vraiment besoin de ce matériel ici, plutôt que dans un bunker qui attend d'être trouvé. Y a pas intérêt à ce que ces connards de la secte tombent sur nos réserves. Vous nous seriez d'une grande aide si vous pouviez trouver ces réserves. Mais y a un problème. On n'a pas la carte des planques ici. Me demandez pas pourquoi. Question de sécurité ou je sais pas quoi. L'éclaireur de la tour de guet de Jefferson devrait en avoir une. C'est juste à l'ouest d'ici. Bonne chance. Et restez sur vos gardes. Ok. Nous a filé pas de souci. Le plein de matos. Je vais retourner ici. Parce que j'ai pas du tout d'armes de corps à corps. Et du coup, ça risque d'être un petit peu de temps d'axe. Oh, je peux avoir la batte cloutée. Ah, j'ai pas fait attention. Attends. Regardez si je peux l'avoir. Bon, la batte cloutée, je la prends. Gagner 2 niveaux de résistance. Redistribution des cartes. Les... Cabane dans les arbres. Ralentisseur de taré. Ça pique. Et tu as droit, c'est parce que t'as gagné 2 niveaux de résistance, toute région confondue. C'est pour ça que tu l'as eu. Point américain, ouais. Conçu pour infliger de sérieux dégâts à votre victime, tout en protégeant vos doigts. Et autrement, bah, y a la whack. Elle est en aluminium. Non. Elle est en bois. Je sais pas, une batte. Et t'as la batte en aluminium. Couleur... Et parce que la couleur que tu as dans tes mains. Non, c'est la couleur que j'ai mis. Ah, ok. C'est une couleur que j'ai mis, hein, voilà. Regarde. T'as vu, ça fait mal. Allez hop. Vous en faites pas pour. Aussi, t'as une quête à nous donner? Je m'excuse pas. Je reconnais mes erreurs. C'est juste que je fais pas confiance aux inconnus. Mais d'après Ellie, vous êtes réglo. Alors je vais me contenter de ça pour le moment. Faites vos preuves. Et vous et moi, on apprendra à s'entendre. Voilà le topo. Witty essaie de monter une station radio pirate. Il a dit à Ellie que c'était pour aider à coordonner la milice. Mais je pense plutôt que c'est pour diffuser sa musique. Faut le faire parler. Le problème, c'est qu'il a pas de signal. D'après notre expert, la secte brouille les ondes dans toute la zone. Et on sait comment. Apparemment, des brouilleurs ont été placés sur 2 tours radio. Et un troisième sur une unité mobile qui patrouille sur les routes. Commencez par les tours. J'écoute tellement pas ce qu'elle raconte, en fait. Mais je veux juste sa quête, moi. Je vous préviendrai quand ce sera fait. On a tout ça à les faire. Et peut-être que je vous ferai davantage confiance. Ok, d'accord. Pas de soucis. Il m'a... Le Mantera qui me bloque. C'est quoi ça? Je n'aime normal, pas être bloqué. Normal, toi tu me bloques souvent. Ah oui, mais moi c'est normal.
Et non, je dois passer moi aussi. Du coup, c'est où qu'on sort là-dedans? L'échelle bleue. Ah, elle est là. C'est bon, j'ai trouvé. Du coup, on va activer la bonne quête. Aider Tammy à interrompre les communications de Jacob. Sauver les White Tails retenus prisonniers au centre touristique. On va faire le plus près. C'est sorti? Oui. C'est pas par là? Ah, ouais, si, quoi qu'on peut aller par là. Simplement pour faire ça. Ou une suite. Mais t'es parti où? J'ai porté en une suite. Le malade. J'ai fait un petit bout en wingsuit aussi. On doit aller en face. Vous êtes là? C'est Ellie. Je peux vous voir. Toute la montagne est truffée de caméras. Le centre est droit devant et il grouille de cinglés. Faites attention. Bon. On doit sauver les otages. Pas les laisser se faire buter, hein. Deux flèches. Ah merde, ils savent que vous êtes là. Putain, c'est mort. Putain, il n'y en a plus qu'un. On a fait de la merde. Moi, je suis avec mon arc. Fais gaffe, jamais je pourrais assez te remercier. Bon, au moins, t'entends à libérer. Merde, putain, ils ont emmené deux des nôtres au Devil's Drop. Jacob est sur le sentier de la guerre, il cherche le Wolf's Den. Si les cinglés nous trouvent, on est foutus. Et si nos gars crachent pas notre position, ils seront balancés du haut de la falaise. Maniez-vous, officier, le Devil's Drop est au sud de votre position. Il n'y a plus rien à piller, c'est bon. C'est bon. Ok, bah alors on y va. On va au Devil's Drop, à 400 mètres.
Ouf. Essaye de faire L'arbre. quoi, toi? J'étais parti en wingsuit, sauf que je me suis péri l'arbre. J'ai pas fait attention. Et putain, j'étais bien parti. Dommage. Voilà. Non, on va pas Voilà. passer par là. Il y a un petit passage ici, là. Merde! Reviens ici, sale bête! T'es où du coup, toi? Je suis en face. Moi, genre, le mec, en fait, tu étais en train de me faire attaquer, il m'a même pas aidé, hein. Bah tu étais pour aller en face, donc j'ai sauté et hop, oh, Ouais, ah bah mais Winfield. j'étais en train de me faire attaquer, donc Ah bah j'ai pas vu. Parce que j'étais en Winfield. Tenez, il y a un sac à prendre. Étant donné qu'on doit sauver les otages, hein, si possible les deux, on va peut-être essayer de passer par-dessus. Quand on les contourne. En discrétion. Est-ce qu'il y a moyen de les avoir? Parfait. Cache-toi, cache-toi. Reste là, bouge pas plus haut. Parfait. Putain. Parfait. Parfait, Mantera. Merchant éteint. Mais... Je me suis fait attaquer par derrière. Sans mauvaise... Sans entendu. Ça m'avait entendu. J'aime bien Mantera. Mantera qui fait tout bien et tout. Et qui bute des gens et tout. Super, hein, et qui meurt. Mais tout ça parce que je me suis fait prendre par l'arrière. Sans mauvais... Bah, je sans pille. arrière-pensée, bien sûr. Et je repille, bien sûr. Descends, 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 descends. Ils vont arriver.
Oh non, les otages sont morts. C'est bon. Pire que ta mère. Bon. On évite le tunnel, on passe à côté, puis voilà. On replie le sac à dos. Ah, moi, je l'ai même pas replié, le sac à dos. Tiens, là, ici. Merde. Il y a une montée ici qu'on peut faire. Si vous êtes dingue, passez par devant. Sinon, passez par le haut. Non. On va avancer quand même, hein? Voilà. Oh, là je l'ai. De quoi? Ah non, c'est un mort. Non, 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 mais viens. Viens, viens, viens. On évite de refaire de la merde, hein? Avance-toi vite, si tu veux venir. Pouvait arriver pile de devant aussi. Attends, par contre là, derrière le mur, hein. Viens de ce côté-là. C'est bon. Putain, ils en ont buté un, les bâtards. Bien. J'ai fait du bon boulot. Putain. Ouais. Bah, il était pas mort celui-là pourtant. Attention, ils arrivent. On doit sécuriser le tunnel maintenant. Il y a un hélico, faut le buter. Je l'ai raté, il m'a tué avant. Je suis trop bourrin. Survie, survie. Il faudrait qu'il change de position parce que là, avec ça. Oh, il a changé de position, il est là. Moi, je m'accroche à la vie. Tiens le coup.
Je tiens le coup. Oh, on s'accroche. Mais toi, survie. Ouais. Hop là. J'ai voulu voir si ma mitrailleuse était plus forte que l'hélicoptère. J'ai eu tort. J'attends qu'il arrive là. Oh, le faible, il va se tirer, non? C'est là que je regrette d'avoir retiré ma lunette. Normalement, il va faire le tour. Je vais essayer de le faire passer encore. Viens. Viens. Il est où? Ah, il est là. Yes! C'est bon! Oh putain! Il y avait ça à côté! Oh, le finish line! Lol! Tu peux le prendre si tu veux! Non, je l'ai déjà celui-là! Monte si tu veux, on peut avoir des munitions là-bas. Avant que le camion se barre. Et je pille ceux-là qui sont là déjà. Et avec du pognon. Ouais, j'ai juste au bout du tunnel de toute façon. Ok, Dak. C'est toujours des munitions gratos. Voilà. Les mis ont parfaitement bien placé. Parfaitement. Alors, puis cette mitrailleuse, je l'adore. Ah bah lol. Donc... Oui, mais l'angle était pas bon pour tirer sur l'hélico. Il y a quelques renégats. Tiens, si tu veux un petit peu de munitions. J'ai tué les deux renégats qui essayaient de reprendre le tunnel. T'inquiète, il n'y a plus personne. Ouais, mais maintenant, il y a encore moins personne. Ouais, dans le camion, là, à l'intérieur, il y a des munitions. Plein.
Ah, il y a une fenêtre. Hein. Là-bas derrière, c'est encore mieux. Ah, t'es monté ? Oui, oui. Juste derrière. Oh, je peux viser à travers. Les hélicoptères de Jacob, on va peut-être attendre. Oui. Oh. On va faire le silence radio. De la chasse. De la chasse. De toute façon, en même temps qu'on va aller sillonner la zone. On fera ça dans le prochain épisode. Oui. Allez, moi je vais en camion dans la forêt. Voilà. Lol. Merde. Mais tu peux pas monter les rochers. Bah, il me tire dessus, moi je le tire, mais où? Ah oui? Ton papa t'a pas appris à respecter tes. T'es supérieur? Ta gueule! T'es supérieur. Ah bah, moi j'ai envie de dire que ça dépend desquels. Attends, je t'aide à descendre plus vite. Vas-y, va par là. Voilà. Eh, ça se monte, hein. Oh, bah oui. Ça se monte. Et ça se monte plus facilement quoi, par contre. Fauteur de trouble. L'autre, il a cru qu'il pouvait me sniper comme ça. Ah, ça va, t'es toujours en vie, toi? Je sais pas où est-ce qu'il est, mais il est censé y avoir un animal. On l'a pas. Là, viens. Là, t'as un cercle que tu peux piller. Attends, j'arrive. Là-bas.
Hélicoptère en vue. Non, on l'attaque pas, on le laisse tranquille. Il va pas nous faire chier. Voilà. Il est où ton cerf? Par là. Ici, là. T'as un wapiti d'après eux. Mais là-bas, t'en as deux en vie. Faudrait qu'on focus le tir sur un seul, comme ça on le bute. Tiens, là, il y en a un que j'ai repéré. Celui-là. Raté. Moi, je leur cours après. Bah, moi aussi. Oh putain, lui il est mort! Il va crever ce loup! Elle est pas passée loin celle-là. Il y a un cerf à côté là-bas qui est en train de se barrer. Touché. Attends, on les bières au passage. Ah, voilà. Hop. Merci. Il paraît que vous venez en aide aux gens que la secte a embarqué. Vous êtes pas au bout de vos peines, officier. Si vous tombez sur d'autres civils. Ah, voilà lui. F. On peut plus laisser ces salopards de la secte kidnapper les gens. Parfait, ça, on a une mission de sauvetage. Mais bon, c'est en gros, on doit sauver des gens dans la région et plus on en le sauve, clan. Faut qu'on en Tant sauve tête. Au moins 20. Voilà. Donc on va s'arrêter là. Oui, et on se dira à la prochaine. Ouais, oui. On va juste tenter de se rapprocher un petit peu de. Attends. Un truc là. Pointe-le. Touché. Oh, ce tir de professionnel. Je commence à m'améliorer avec l'arc. Merde. Bâtard. T'as récupéré le cerf là? Oui. Dans lui, il a une cage. Les cinglés pour chasser une voiture qui a atterri au pied de la falaise. Je sais pas ce qu'il y avait là-dedans, mais une chose est sûre. Ils tiennent vraiment à le récupérer. C'est clair. Donc, on va juste tenter de se rapprocher un petit peu et puis. Après, on se laissera, mais là. Regarde. On le focus. Tu tiens. Je crois qu'il a bouffé. Je crois qu'il a transcendé son existence, moi. Hein. Attends, c'est bon, il est mort. Il va revenir. Essaye de choper le pied, là. C'est bon. Oh. Ah, c'est bon. Qu'est-ce que vous faites chier, vous? Je sais pas qu'est-ce qu'il a fait avec son 4x4.
Il est arrivé, il est mort. Deux flèches en pleine tête. T'as réussi à récupérer le... La bestiole là, faut que tu chopes sa patte là. La patte ici. Tu restes appuyé et il faut que tu essaies de choper la patte là. Voilà. Non mais lui, elle me l'a déjà pillé lui. Ah d'accord, ok, ok. Celui-là bon, qui voulait faire semblant qu'il est... On s'approche. Il voulait faire semblant qu'il était mort. Ouais. Il voulait disparaître. Deux flèches entre les deux yeux, ça a réglé le souci. Ah ça c'est clair. C'est risqué. Tu vas faire quoi, Néo, par là? Il veut grimper. T'as pas le cheval de Skyrim. Non, justement. Une suite. T'es malade, toi. Non, mais regarde, hein, j'y arrive. Les prisonniers en bas. Où ça? Il est mort. Parfait, tu les as sauvés. Il m'a rentré dedans, mais... Pas assez fort, je crois. C'était un civil. Désolé. C'est parti tout seul. C'est pour ça que je me suis retiré. Oh là là, les textures sont un petit peu en train de partir en live là. Lol. Je confirme. Je suis arrivé en une suite, mais en rapido, c'est le dim. Eh, du coup, si l'épisode vous a plu, un petit pouce bleu, un partage. Et on se retrouve dans un prochain épisode. Mais on peut pas faire une fin de vidéo tranquille. Bam. Voilà. Les fins de vidéo là. Oh non. T'es mec. T'es, je pète votre voiture. Regardez. Un sabotage en règle de leur bagnole. Reste pas à côté par contre. Un conseil. Oh que non. On sabote les deux. Il reste à côté, il va lui se tirer. Il panique. Panique à bord, panique. Des bisous. Regarde, des bisous. Il est bas. Sublime.